Et salut tout le monde, c'est Mikra, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Borderland avec Flak, et vous l'aurez peut-être entendu, j'ai légèrement changé mes paramètres son, j'espère que ça ira et que ça sera pas trop problématique dans l'un sens ou dans l'autre, je verrai ça en montage, j'ai envie de dire. Alors on continue l'histoire principale, on fera les hors-série, hors-sujet plutôt, dans le prochain épisode. Dans les prochains épisodes, puisqu'il y en a quand même pas mal, je pense. On n'a pas fait. Donc, on est ici. On va aller sur le Metroplex Méridien. Allons-y tout de suite. Et continuons l'histoire, j'ai envie de dire, ma bonne dame. Je ne sais pas. Des fois, j'ai des envies de dire des conneries. Petite arche. On se retrouve à la plateforme 7. Maliwan surveille constamment le laser. Ton module d'atterrissage passera jamais leur sécurité. Mais j'ai un vaisseau Atlas ultra moderne, avec fonction camouflage. Alors on va voler jusqu'à la plateforme orbitale et détruire le laser avant que Katagawa puisse comprendre ce qui se passe. Hé hey, t'as mis la main sur un fragment? Tu fabriques ta propre clé de l'arche? C'est marrant. Tu sais ce qu'on fabrique, nous? Une vague sans fin de fidèles assoiffés de sang qui balaye toute la galaxie en massacrant tout en notre nom. Je te dis ça comme ça. Si jamais tu veux suivre, je te conseille de passer plus de temps à recruter au lieu d'astiquer tes flingues. Eh ouais, c'est ça la stratégie, les minables. Ah tiens, regarde! Pendant qu'on discutait, j'ai encore un millier de bandits en plus qui ont choisi de me suivre. Et ça tombe bien, j'ai un petit creux. Ah, t'as réussi? Mon vaisseau est là. Vive le camouflage d'Atlas, ma poule. Par là. Katagawa! Rhys, mon pote. Alors, t'as pris le temps de réfléchir à cette histoire de reddition ou... t'as besoin d'une autre pichenette d'amour à coups de laser pour t'aider à te décider? Va te faire foutre! Quand tu seras prêt, t'auras qu'à passer pour qu'on signe ça. J'ai hâte d'absorber Atlas dans la grande famille Maliwan. Oh! Et amène Zéro. Je suis sûr que ça va l'intéresser. Plutôt crever que de donner les clés d'Atlas à ce guignol. Bon, changement de plan. Changement de plan. On vole une navette Maliwan avec les protocoles de sécurité. Tiens, prends ça. Alors, la clé vipère d'Atlas possède une fonction de piratage à distance. On va s'en servir pour voler une navette Maliwan. Ça te va? Très bien. Mais peux-tu m'expliquer ta décoration buccale? C'est pour attirer les partenaires ou effrayer les prédateurs? On reste concentré, tu veux? Trouve-toi une navette Maliwan et branche une clé vipère. Je m'occupe du reste. Ok, on va essayer la clé vipère. Allez. Besoin d'entrée sans invitation? Pensez clé vipère d'Atlas. Venez en avant là. Ouais, c'est bon. Ha ha, Rhys en force, hein? Un petit high five? Non? Bon, ok. Préviens-moi quand il sera. Je vais te reprogrammer la gueule. Nous sommes arrivés, Rhys. Quoi? Ça a vraiment marché? Mais je veux dire, oui, bien sûr que ça a marché. Et pas de sphère de mort en vue. Tu as bien dit sphère de mort? Oublie ça. D'après les infos de Zéro, le fragment de la clé de l'arche alimente le laser. On doit juste trouver la salle de contrôle.
Va à la porte principale. Il n'y a pas de sphère de mort. Alors, on est sur l'astéroïde de Skywell. Alors, je pense que je vais faire deux petits épisodes pour celui-là. Ou un gros. À voir. On verra bien. Ça dépendra le montage que je ferai. Donc, si je fais deux épisodes, il n'y aura pas d'intro sur le deuxième épisode. Le yacht personnel de Katagawa. Je ne peux pas casser ça pour le moment. On raconte qu'il aurait invité sa famille à bord pour tous les tuer. C'est comme ça qu'il a réussi à se retrouver à la tête des fusions et acquisitions chez Maliwan. Oh, tant que j'y pense, fais gaffe avec la pesanteur. Tu vas devoir t'habituer. C'est vrai qu'il y a le cartel. Maman, je tourne. Je ne tiens même plus le compte. Ne te retiens pas. Normalement, quand l'épisode sera diffusé, le cartel sera fini si ça suit les horaires. Les horaires. Le planning. Mais bon, pour le moment, je fais le cartel. Je vais pas vous montrer tout ce qui est. Petit truc en plus, hein. On fera ça les autres fois. Dans les épisodes annexes, on va dire. Ceux qui veulent. On fait le jeu à 100%. Je vais montrer comment le faire à 100%. Rade de le dire dans les commentaires, je rappelle. Je ne suis pas fait de sang, alors je prends le tien. Grouille-toi un peu! Plus important à faire! La chasse est ouverte. Pour que je puisse pirater la sécurité et trouver le fragment. Oui, chef. J'étais persuadé qu'il y avait un coffre là-haut, en fait. En fait, pas du tout. Descend tout droit au laser. On va entrer et ressortir tellement vite que Katagawa va rien comprendre. Appelle l'ascenseur. Il va te conduire tout droit au laser. Clé Vipère, quand votre scan rétinien ne vous reconnaît plus à cause d'une vilaine conjonctivite, nous serons là. Atlas, moderne avant l'heure. J'y suis. Je contourne les protocoles de sécurité. Maintenant. Maintenant. Maintenant, j'ai dit, maintenant! Oh, mais c'est pas vrai, mais. Oh non. Rhys, c'est toi? Bienvenue! Bon, dès qu'on aura officialisé ta reddition, sans condition, on ira passer une petite soirée sur le Zanara. C'est mon yacht personnel. Sécurité, tu es le chasseur de l'Arche. Une fin minable pour une créature minable. Merde! Il a verrouillé l'ascenseur! Ah, attends voir. Ah oui, ça y est, voilà. On va se la jouer en mode espion. Passe par les tuyaux d'aération. Il mène tout droit à la zone de maintenance. Traverse la zone de maintenance. Je crois que je sais comment accéder à la salle de contrôle. Oh, Rhys, je sais bien que ton chasseur de l'arche débile est là. Tu ferais mieux de signer ta reddition, mon pote. Parce que sinon... Cible repérée. Tire du laser dans 3, 2, 1...
Ça te va bien, la décomposition. Hé, les DDA, apportez-moi la tête du chasseur de l'Arche. Je vais la vider et m'en faire une shopping fantaisie pour mes soirées sur le Zanar. J'aurai ma place dans la Grande Arche. Oh, Rhys, mon pote. J'ai toujours pas reçu ta reddition signée. Bon, alors qu'est-ce que je vise maintenant? Pourquoi pas ton parc d'attractions préféré? Non. Non, pas la rivière artificielle! Non! Tout sauf la rivière artificielle! Tire du laser dans 3 bananes. 2 bananes. 1 banane. Non! Oh, merde! T'en fais pas, Rhys. On a une rivière artificielle anti-gravité sur le Zanara. Le tarif d'entrée, c'est Atlas. Ah! On doit trouver un moyen de désactiver le laser! J'ai une super idée. Coupe le propulseur stabilisateur. On devrait gagner du temps. Je pardonnerai jamais à Katagawa d'avoir détruit la rivière artificielle. C'est là que j'emmenais mon équipe se détendre. Et maintenant, je suis blessé. Et boum, propulsez votre cul, les propulseurs. Ah, ça, c'était un peu naze. Oublie ça. Mais regarde, ça marche. Pas les propulseurs, section 35. C'est quoi, ces conneries? J'étais sur le point de ravaler la façade du QG d'Atlas. Remettez-moi ces propulseurs en marche. Super. Maintenant, abat cette bande de tarés et continue. L'entrée de service du bâtiment est un peu plus loin. J'aime ton enthousiasme, mon ami. La mort est naturelle, mais la tienne m'a enchanté. Tu vas entrer par ce tuyau. T'as juste à trouver le levier pour l'activer. Pas si vite, rapace. On a des amis qui rêveraient de te manger. Oh merde, attention! Une base Maliwan, bordel! C'est le genre de truc qui se fête, ça! Appuie sur la touche grosse fiesta! Ça doit être le A. Le grand plongeon! Alors, j'ai trouvé comment pirater le laser de Katagawa. Et la salle de contrôle est droit devant. Branche une clé vipère! Atlas, moderne avant l'heure! Rhys. Ce sont des sphères de mort. Oh non, je veux dire, attention, attention. Satisfaisant. L'horreur. À chaque tour, elle m'en dépasse. Attaque en piqué. Salut, chasseur de l'Arche. Clé vipère à la poubelle avant l'heure. Et maintenant, crève! Merde! Oh, si j'étais avec toi, je pourrais facilement pirater la porte. Parce que je suis un mec cool. Oh, attends. J'ai une idée. Je peux prendre le contrôle à distance d'une de ces sphères charmantes et te rejoindre. Choisis-moi une. Allez! Non. Ah non, celle-là, elle est pleine de fientes. Trop grande, pas mon genre. Oh, elle est parfaite, tellement moins, Rhys. Rhys. Branche la clé vipère. Clé vipère, pour savoir à tout moment ce que vos voisins disent de vous.
Un produit Atlas, moderne avant l'heure. J'y suis. Oh, propulsion anti-gravité, sympa. Oh, et la voix est pas mal, non? Y a rien qu'à changer, hein? On se concentre, Rhys. Allez. Merci, hein. Je crois que je vais vite m'habituer. Je tiens à signaler que ce n'est pas une sonde, alors pas de blague de mauvais goût. Appelle-moi Rhysfer. Oh merde, c'est hyper dur à dire en fait. Rhysfer, Rhysfer. Oh, aïe, oh, je me suis mordu la joue. Bon, appelle-moi Rhysbull. On va arrêter ce laser et reprendre ton fragment de clé. Pour Atlas. Bull scan terminé. Oh, ça sonne pas ouf à l'oreille, hein. La salle de contrôle est par là. Ah, oh, merde, c'est une sphère de plaisir, pas une sphère de mort. Oh, j'ai du lubrifiant, des protocoles musicaux et des lumières d'ambiance. Bon, bah, je vais devoir te laisser t'occuper de ces gars. Votre attention, fidèle personnel de Maliwan. Celui qui m'apportera le cadavre du chasseur de l'Arche aura droit à 2 heures gratuites sur le Zanara, actuellement en orbite. Profitez d'une fontaine aux 25 fromages, de massages à l'huile de Skag et de cabine privée avec nos hôtesses robotiques. En toute intimité. Chasseur de l'Arche continue sa dévastation. Tu veux rien lâcher, c'est ça, Rhys? Ok. Dis adieu à ton marchand de glace préféré. Pas les glaces de Fran, tout, sauf les glaces de Fran. Chez Fran, il rajoutait des... Tire du laser dans 3, 2, 1... Des fruits frais dans le fond, dans le fond du... Oh mon Dieu! Oh merde! Oh, ça suffit. Si on n'arrête pas le laser de Katagawa, il va transformer le QG d'Atlas en duplex. Et un PDG, ça vit pas dans un duplex. Enfin, celui de Tedior, peut-être. Je veux dire, il vend des merdes avec des gâchettes. Des os, pas des os. Je m'en remets pas pour Fran, mais c'est le sort de la planète qui est en jeu. Bon, on chialera plus tard. Ah, oh, mais pourquoi j'ai pas pris une sphère de mort? Elle sert à rien, cette sphère de plaisir. Tu sais quoi? Je vais te mettre un peu de musique pour te donner envie de tuer. Tu as tout compris. Nettoie la pièce, chasseur de l'Arche. Ce laser est à nous. Pour Atlas et pour Rhysbull. Sécurité, intrusion dans la salle de contrôle du laser. Détruisez cette racaille immédiatement. On est le chasseur et parfois, on est la proie. Si je te poignarde, Rhys, tu peux me croire que ce sera en plein dans le thorax. Parce que
je suis ton pote. J'ai presque verrouillé le Zanara. Protège-moi pendant que je finis de pirater. Rhys, écoute. Franchement, quelqu'un de plus gros allait finir par racheter Atlas. Si c'était pas Maliwan, ça aurait été Jacobs ou Vladov. Ou même Tedior, bordel. Cible familiale identifiée. Zanara. Yacht personnel de classe 2F. Blocage familial désactivé. Début de la séquence de tir. Interrompez immédiatement la séquence de tir! Sécurité! Faites quelque chose! Tir du laser dans 3, 2, 1. Sayonara, Zanara! Personnel entre potes d'OPA hostile. Ok, ok, une seconde. Très bien, t'as plus qu'à prendre ton fragment. Le voilà! Le fragment! Pas si vite, Richboul! Non! Oh, chasseur de l'arche! Submergez-les. Tu m'as manqué, ma fille. Apportez-moi le fragment de la clé au labo, chasseur de l'arche. J'ai toujours été étonnée par la taille de ces fragments de clé. Les Iridiens étaient peut-être plus grands que nous, ou plus forts. Je vais examiner ce nouveau fragment en privé. Ça ira, vous pouvez disposer. Viens me parler sur le pont. T'as mis une sacrée raclée à Maliwan, recrue. Grâce à toi, Atlas va peut-être réussir à survivre à cette guerre. Mais on ne doit pas perdre l'arche de vue. On doit la trouver avant les Calypso. C'est ça, notre mission. On va contacter Rhys. Apparemment, il a des infos sur le dernier fragment. J'appelle Rhys Strongpark. Ça, c'est un nom cool. Je parie que personne venait emmerder ses ancêtres. Salut les gars. Merci du coup de main avec cette histoire de laser. Ça fait du bien au moral. Pas de problème. Bon, tu disais que tu sais où se trouve le dernier fragment de la clé? Alors, surtout, t'énerve pas. Le troisième fragment de la clé est ici, au QG d'Atlas. Et tu nous caches ça depuis le début ? Je t'avais bien dit qu'on pouvait pas faire confiance à un type portant une moustache.
C'est une moustache de terre, ok? Les fragments de clés, ça vaut des milliards. Rien qu'avec les bénéfices de la recherche, Atlas aurait pu garder la tête hors de l'eau des décennies. J'ai déjà fait quelques expériences. Les tests, en bouche, hein, ce genre de trucs. Mais à ce stade, il te revient. Je te spoil pas, mais j'espère que t'aimes quand ça pique, hein? Viens me voir au QG. Je vais dire à Zéro de t'ouvrir l'entrée VIP secrète. T'as fait du beau travail, recrue. Voilà, je sais pas s'il y aurait eu deux épisodes sur cet astéroïde, cherche vecteur. On se retrouve dans le prochain épisode de Borderlands avec Flak. Alors je sais pas du tout si le son était on trop fort ou pas assez fort. Déjà tant de je pense que j'aurais changé les trucs au montage parce que ça me semble un peu fort cette fois-ci. Donc si vous avez, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, sinon n'hésitez pas à disliker. N'hésitez pas à aller voir les autres épisodes si vous voulez voir la version avec Moz en live. On a fait avec un peu en rush, entre guillemets, avec tout sans montage, vu que c'est du live, sur la série Rediff qu'on a fait au début avec Stenum. On vous fait des bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. T'as fait du beau travail, recrue.